Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo sur le cas général dans les cas des équations bicarrées. Donc on va travailler uniquement avec les coefficients ABC sans leur donner des valeurs. Vous allez voir qu'il y a quelques cas, rien de très difficile. Après, ça reste quand même pas très facile d'accès parce qu'on n'a aucun nombre, on a ABC et puis on a x la variable. Donc on est parti. Alors première étape, comme vous le savez, pour faire une bicarrée, on doit faire un changement de variable et on va poser grand X égale x2. Donc grand x égale petit x2, hein, ça c'est très important. Ça s'appelle donc un changement de variable. Or, eh bien, vous pouvez remarquer que petit x4, eh bien, dans ces cas-là, c'est petit x2 au carré. C'est donc grand x au carré. Et notre équation, eh bien, elle devient, l'équation de départ devient une équation en grand x. Et elle devient donc a grand x carré plus b x plus c égale 0. Et donc maintenant, on va résoudre l'équation, mais en grand x. On va résoudre l'équation en grand x. Donc ça, c'est la première étape. Voilà. Et ça, vous le savez, c'est une équation du second degré en grand x. Donc on va utiliser le discriminant. Hein, et donc, je vais comme ça écrire les formules que vous connaissez déjà, parce que ça, c'est les formules qu'on a vues en cours. Alors ensuite, tout dépend donc du signe de ce discriminant. Alors on va commencer par le cas le plus simple. Si delta est strictement négatif, ça veut dire que si b carré moins 4ac est négatif, eh bien il n'y a pas de solution. L'équation donc pas de solution en grand X. D'accord? Et donc forcément, hein, puisque a grand X de plus b grand X plus c ne fait jamais 0, eh bien vous pouvez mettre à la place de grand x petit x2, ça ne fera jamais 0. Donc pas de solution en x, donc pas de solution en petit x. Alors, on peut justifier ça en disant car hein, pour tout grand x appartenant à R, eh bien a grand x2 plus b grand x plus c est différent de 0. Donc bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place de grand x, ça sera toujours non nul. Donc pour grand x égale petit x2, ax4 plus bx2 plus c est toujours différent de 0, quel que soit petit x appartenant à R. Donc ici, vous n'aurez pas de solution. Vous êtes dans le cas où votre fonction du quatrième degré a une courbe qui ne coupe jamais l'axe. En deuxième cas, si delta est égal à 0, alors on sait que l'équation en grand X, il y a une solution, grand X 0, donc une solution en grand X, je précise de quelle équation on parle, c'est grand X 0 qui vaut donc moins B sur 2A. D'accord? Et là, on va inverser notre changement. À ce moment-là, on inverse. C'est-à-dire qu'on va calculer petit x2, sachant que petit x2, c'est grand X. Et on va chercher quand est-ce que petit x2 peut être égal à grand x 0. Et là, vous avez deux cas. Donc, premier cas, si x 0 est négatif, alors eh bien, petit x2 est un carré, ne peut pas être égal à grand x 0. Donc, pas de solution en petit x, car eh bien, petit x2 est toujours différent de x 0, puisque ici, vous avez un nombre strictement positif, un supérieur ou égal à 0, pardon, et ici un nombre strictement négatif. Alors c'est donc le cas où moins b sur 2a est strictement négatif. Deuxième cas, si x0 est strictement positif, et je ferai un troisième, un cas très particulier, si grand x0 égale 0. Donc si grand x0 est supérieur strictement à 0, alors on résout petit x2 égale grand x 0, et là on a deux solutions. Ça veut dire que x est soit égal à moins racine de x 0 ou x égale racine de x 0. Et donc dans ce cas-là, c'est-à-dire si b carré moins 4ac est positif et si moins b sur 2a est positif, vous avez deux solutions. S égale moins racine de x 0 et racine de x 0. Celle d'avant, vous n'aviez pas de solution.
Un troisième cas qui est très particulier, qui est très rare, parce que ça veut dire que x sur 0 égale 0, donc moins b sur 2a égale 0. Comme a est non nul, c'est précisé, premièrement, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est le cas où b égale 0. Et je vous rappelle qu'on est dans notre cas où delta égale 0. Donc delta égale 0, ça veut dire que b carré moins 4ac égale 0. On vient de dire que b égale 0 dans ce cas-là, donc on a b carré moins 4ac qui vaut 0. Donc comme b vaut 0, 4ac vaut 0. Et comme a est non nul, ça veut dire que c est égal à 0. Et donc vous avez l'équation en fait où il y a juste ax4 égale 0. D'accord? Et dans ce cas-là, on retrouve comme solution ici, vous voyez, quand on inverse, ça veut dire que x2 vaut 0. Et on retrouve une seule solution ici. Hein. Je n'ai pas mis les équivalences. Mais voilà. Ça équivaut tout simplement à x égale 0. Donc vous n'avez qu'une seule solution. Alors, en général, on n'a pas ce problème-là parce que quand on vous fait résoudre des équations b carré, vous avez des coefficients non nuls. Sinon, ça n'a pas l'intérêt de vous faire résoudre, par exemple, 3x4 égale 0. On sait très bien que ça donne x égale 0. Donc, voilà les deux premiers cas. Donc, vous voyez, on a deux cas qui mènent à aucune solution. Un cas à deux solutions et le troisième à une seule solution. C'est très particulier. Et maintenant, on va faire notre troisième cas. Alors, dans ce cas-là, delta est strictement positif et on a donc deux solutions pour l'équation en grand X qui sont, comme dit le cours, moins b moins racine de delta sur 2a pour grand X1 et moins b plus racine de delta sur 2a pour grand X2. Alors là, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a beaucoup de cas, ça va dépendre effectivement du signe de x1 et de x2 et même s'ils sont nuls ou pas. Donc on va inverser en posant petit x2 égale grand x1 ou petit x2 égale grand x2. On doit résoudre ces deux équations. Donc vous voyez, c'est des équations assez simples. Tout dépend, eh bien, si x1, grand x1 est négatif, il n'y a pas de solution. Si grand x1 est strictement positif, il y a deux solutions. Et s'il est nul, il y en a une. C'est-à-dire qu'ici, vous résolvez x2 égale 0. Et la même chose pour x2 égale grand x2. Ça veut dire qu'il y a 6 cas qui sont les suivants. Alors, ce dernier cas, c'est pour être complet, c'est si x1 ou x2 est nul. Alors, on va étudier ça un petit peu en détail parce que c'est des cas très particuliers. Donc, ça veut dire que hein, x1 ou x2, ou les deux, hein, est nul. Voilà. Ça voudrait dire qu'en inversant, eh bien, petit x2 à un moment va être égal à 0 et donc ça implique que 0 est solution. Alors on va regarder là, plutôt que d'essayer d'étudier là, on revient au départ. Quand est-ce que 0 est solution d'une équation comme ça? Eh bien, si vous remplacez x par 0, ça signifie que 0 plus 0 plus c doit être égal à 0. Et donc, comme 0 est solution, on en conclut, c'est le cas où c est égal à 0. Et donc, l'équation de départ, c'est tout simplement ax4 plus bx2 égale 0. Et ça, on sait résoudre sans tous ces b carrés, donc je vais le faire devant vous. On factorise par x2. Voilà. Ça nous donne ax2 plus b égale 0. Et donc, soit x2 égale 0, ça on a déjà dit, c'est le cas où x égale 0 est solution, ou vous avez ax2 plus b égale 0. Et donc, x2 égale moins b sur a. Et là, vous avez encore deux cas qui dépendent du signe de moins b sur a. Oui, on n'a pas fini. Donc ici, x carré égale 0, ça nous donne donc x égale 0. Et notre dernière x carré égale moins b sur 2a, il y a donc deux cas. Si moins b sur a est négatif, eh bien c'est impossible. Donc on a uniquement x égale 0, s égale 0. Et si moins b sur a est positif, eh bien vous avez deux nouvelles solutions. Vous avez 0, mais vous avez aussi racine carrée de moins b sur a et moins racine carrée de moins b sur a. D'accord? Et j'oublie un troisième cas, pardon, si moins b sur a égale 0. Ça veut dire que ici, c'est le cas où b égale 0. Donc on est dans un cas où b égale 0 et c égale 0. On se retrouve là dans un cas connu puisqu'on a b égale 0 et on a c égale 0. Ça veut dire en fait ce n'est pas possible parce que on est dans le cas ici qu'on avait déjà étudié. Hein, b égale 0 et c égale 0, c'est le cas où delta égale 0. Ça veut dire que si eh bien, c égale 0, eh bien, b ne peut pas être égal à 0, en tout cas pas dans le cas où le discriminant est strictement positif. Ça veut dire que vous seriez dans le deuxième cas et donc ici eh bien, c'est déjà traité. Donc on n'a pas un troisième cas qui est apporté, on a juste deux possibilités
Donc, moins b sur racine de moins b sur a, moins racine de moins b sur a est 0. Et sinon ici, voilà. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilités pour une seule équation. Donc, vous voyez pourquoi en général, on ne fait pas ça en cours. Mais vous voyez, tout l'éventail, hein, tous les cas. Alors, je peux résumer avec un schéma un petit peu pour enlever tout ce qui est inutile dans tout ce qu'on vient de faire, pour avoir une vision d'ensemble. Voilà, résumé donc dans un schéma les 10 cas, donc avec vraiment delta sur commun négatif le plus rapide, avec un ensemble vide. Quand le discriminant est nul, avec les 3 cas en fonction du signe de cette racine moins b sur 2a, qui nous donne dans un cas aucune solution, dans le cas 2 et dans un troisième cas une seule solution. Et après, il y avait donc les 6 derniers cas. Si delta est strictement négatif, strictement positif, pardon. Alors si c'est égal à 0, cas très particulier, donc on règle en général sans utiliser les billes carrées. Et après, le cas classique avec 2 racines à l'équation en grand X. Et donc, tout dépend du signe de grand X. Et donc, vous avez 4 cas. Et un seul mène aux 4 racines, hein, le plus connu. Et après, vous avez hein, les cas où il y a 2 racines. Et le cas, enfin 2 solutions, et le dernier cas où il n'y a pas de solution, quand les 2 racines de votre discriminant, de votre trinôme en grand X sont négatives. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire comme schéma, il n'y a pas d'autre possibilité, donc à chaque fois vous devez vous trouver hein, dans ce cas, dans un des 10 cas que vous avez devant vous. Donc avant de terminer, je vais juste vous montrer un petit peu comment on peut utiliser ça, surtout vous n'apprenez pas tous ces cas-là, hein, ça n'a pas de sens, mais ça, vous saurez à peu près sur qu'est-ce qui peut vous attendre dans une bicarrée. Alors voilà, en général, une bicarrée donc, elle se présente. On fait notre changement en grand X2 plus 6, grand X plus 5. Et on calcule notre discriminant. B carré, 36, moins 4 fois 5 ici, donc 16. Vous êtes donc dans le troisième cas, delta est strictement positif. Donc à ce moment-là, on cherche nos deux racines. X1, moins B, donc moins 6, moins la racine carrée sur 2. On est sur moins 5. Et grand X2, c'est donc moins 6 plus 4 sur 2, on est sur moins 2 sur 2, donc moins 1. Donc là, vous avez x1 négatif et x2 négatif. Donc on cherche, on est sur delta strictement positif, x1 négatif, x2 négatif. On est dans le cas où il n'y a pas de solution, effectivement. Dans ces cas-là, quand vous faites petit x2 égale moins 5, vous n'avez pas de solution. Et petit x2, petit x au carré égale moins 1, pas de solution, on a bien l'ensemble vide. Donc je propose un deuxième exemple. Alors le même, sauf que j'ai mis un moins à la place du ici du plus. Alors là, pareil, on fait notre changement. On calcule delta, b carré 36 moins 20, ça donne 16. Donc on est encore dans le troisième cas. Et cette fois-ci, x1, ça donnera 6 moins 4 sur 2. Et vous voyez toute la nuance, cette fois-ci, on trouve 1. Et grand x2, on trouvera 6 plus 4 sur 2, on trouvera 5. Et là, vous êtes dans un cas où x1 et x2 sont positifs. Donc vous êtes dans le cas ici avec 4 racines. Le seul d'ailleurs qui nous apporte 4 racines. Et donc vous aurez comme racine, moins racine de 1 qui vaut 1, évidemment, 1, racine de 1 qui vaut 1 aussi, racine de 5 et moins racine de 5. Vous voyez. Alors un autre cas, quand delta n'est peut-être pas strictement positif, alors vraiment je fais des cas simples, hein. Comme ça on a des nombres entiers, on peut vérifier vite. Donc là on fait le changement, grand X2 plus 4, grand X plus 4, voilà, on calcule les discriminants. Donc 4 au carré, donc 16, moins 4 fois 4, 16, ça donne 0, donc on est dans le cas du milieu ici. Et là, vous avez 3 cas. Alors, de quoi ça va dépendre, hein? Eh bien, ça va dépendre du signe de la racine. La racine, c'est moins b sur 2a. Donc, on calcule hein, grand x est 0, moins b sur 2a. Alors, moins b, ça fait moins 4 sur 2a sur 2. Donc, ça fait moins 2. C'est négatif. Vous êtes dans le cas ici, s égale ensemble vide. D'accord? Alors, on peut faire exactement le même exercice ici avec un moins à la place du plus. Rien ne va changer, sauf ici, vous aurez un plus ici au lieu d'un moins, et donc vous aurez plus 2 au lieu de moins 2 qui sera positif, et donc vous aurez eh bien, deux solutions, hein, racine de 2 et moins racine de 2. Voilà, sachant que le cas limite ici, c'est quand vous avez, alors je vais prendre une autre couleur, hein, si delta, vous prenez par exemple x4 égale 0, là c'est vraiment le cas où il n'y a rien à faire, ça donne x égale 0, et on est dans le troisième cas. Donc voilà ce que je pouvais dire de ce chapitre en fait, je crois que là j'ai vraiment tout dit, donc à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, puis bonne fin de journée à vous.